Bonjour. Dans le cadre des trucs et astuces de l'orthographe, aujourd'hui, nous allons aborder la terminaison des adverbes et notamment les adverbes qui se finissent par amant. Donc savoir quand écrire A2MENT ou E2MENT. Donc, il n'y a pas d'aspect théorique sur ce cours, on passe directement aux trucs et astuces. Alors, on écrit A2MENT, en fait, on écrit la terminaison d'un adverbe en A2MENT lorsque l'adjectif duquel l'adverbe dérive se termine lui-même par ANT. On retrouve le A. Et dans la même idée, on écrit la terminaison d'un adverbe en E2MENT lorsque l'adjectif duquel dérive l'adverbe se termine lui-même en ENT. Donc mettons en pratique cette idée à l'occasion des 10 exemples faciles suivants. Premier exemple, les stocks permettent de répondre abondamment à la demande. Donc là on a affaire à l'adverbe abondamment qui dérive de l'adjectif abondant. Abondant s'écrit avec un A, donc abondamment va s'écrire A2MENT. Deuxième exemple, il vous a certainement répondu négligemment. Donc on a affaire à l'adverbe négligemment qui dérive de l'adjectif négligent. Négligent s'écrit avec un E, ENT. Donc la terminaison de l'adverbe négligemment s'écrit E2MENT. Troisième exemple, prenez-vous couramment l'avion. Donc on a affaire à l'adverbe couramment qui dérive de l'adjectif courant. Courant qui s'écrit C-O-U-R-A-N-T. Donc l'adverbe s'écrira A. 2MENT. Quatrième exemple, apparemment, vous êtes en train de perdre le marché. Apparemment, l'adverbe apparemment dérive de l'adjectif apparent, qui s'écrit ENT, donc l'adverbe apparemment s'écrit E2MENT. Cinquième exemple, nous l'avons reçu précédemment. Précédemment, l'adverbe précédemment dérive de l'adjectif précédent, qui s'écrit ENT, donc l'adverbe précédemment s'écrit E2MENT. Sixième exemple, je sais qu'il attend ardemment votre réponse. Ardemment, l'adverbe ardemment dérive de l'adjectif ardent, qui s'écrit ARDENT. Donc l'adverbe correspondant s'écrit ARDE2MENT. Septième exemple, je pense avoir suffisamment insisté sur cet aspect. L'adverbe suffisamment dérive de l'adjectif suffisant, qui se termine par ANT. Donc l'adverbe se terminera par A2MENT. Huitième, la situation s'est violemment détériorée. Violemment, l'adverbe violemment dérive de l'adjectif violent, s'écrit V-I-O-L-E-N-T. Donc l'adverbe admettra une terminaison en E2MENT. Neuvième exemple, je vous invite à rentrer prudemment. Donc l'adverbe prudemment dérive de l'adjectif prudent, qui s'écrit P-R-U-D-E-N-T. Donc l'adverbe correspondant admet une terminaison en E-2-M-E-N-T. Et dixième exemple, j'aurais traité cette question différemment. L'adverbe différemment dérive de l'adjectif différent, qui s'écrit D-I-2-F-E-R-E-N-T. Donc on va retrouver le E dans la terminaison de l'adverbe pour l'écrire E-2-M-E-N-T. Donc voilà qui termine ce dixième et dernier exemple, et qui par la même occasion termine ce petit cours de trucs et astuces de l'orthographe, qui traitait en particulier de la terminaison des adverbes, les adverbes qui se terminent en E2MENT ou A2MENT. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres trucs et astuces de l'orthographe ou d'autres cours sur NetProf. Au revoir.